n'a pas eu la chance de mettre les amulettes. C'est bien que je sois venu. Je n'ai pas envie d'aller dans ma chambre. J'ai peur aussi. Comme s'il y avait un mur dans ma chambre. 2. Mon cher, tout est dans ta tête. Il n'y a rien en réalité. Je ne peux pas entrer dans ma chambre. Mon enfant, si tu ne vas pas dans ta chambre alors, comment allons-nous dévoiler Ujala ? Tu iras. Maman, comment peux-tu penser que Mariam a sorti les amulettes ? Voir. Si vous pensez que... elle a mis les amulettes, alors tu devrais vérifier l'oreiller. J'ai aussi dit la même chose à tante. Je ne peux pas croire que Mariam puisse faire ça. Pourquoi tu le croirais ? Sa magie t'a affecté et t'a trompé. Ces amulettes ont fait ça. Tante, vérifie l'oreiller. Si tu trouves des amulettes, quelle que soit la punition que tu me donnes, je l'accepterai. Pourquoi ? Tu ne fais pas confiance à mes paroles ? Tu l'accuses de faussement. Nous le croyons. C'est impossible. Tante, tu vérifies toi-même. D'accord. Si c'est le cas, viens, je vais te montrer. Maintenant, tout sera clair. Je ne vois pas. Venez ici. Voyez-vous. Allez. C'est cousu. Je n'ai pas fait ça. Il était fermé. Ouvre-le. Mariam, qu'est-ce que c'est ? Rassa, je le jure. Je n'ai pas mis cette amulette. La preuve est devant toi. Je jure devant Dieu que je ne l'ai pas placée. Quand tu es attrapé, tout le monde dit la même chose. Je ne peux pas croire. Voir aussi l'autre oreiller. Il n'y a rien dedans. Elle n'a pas eu l'occasion, parce que je suis venue. Mariam, fais tes valises. Mais pourquoi ? Est-ce quelque chose à demander ? Il y avait une amulette dans mon oreiller. Vous l'avez vue ? Et,
je l'ai vu mettre l'amulette sur l'oreiller avec mes yeux. Tu comprends maintenant? Pourquoi tu me regardes comme ça? Raza est mon fils, il le sait très bien. Si une fille comme elle doit être gardée à la maison ou non. Mais vous ne comprenez pas. Tu as été l'esclave de ta sœur toute ta vie. Mariam, je t'ai dit quelque chose.